Bonjour, on connaissait Booba, le petit ourson. Voici Kitchak, la nouvelle mascotte de la troupe de spectacle Aitawak, installée aux écuries Mouton à Éric. Kitchak, un petit ourson de 18 mois qui participe régulièrement au dîner-spectacle animalier organisé aux écuries. Kitchak a 18 mois. Elle est née ici, c'est un ours noir, un baribal, donc ours américain, d'origine du Canada. Ses parents, ils sont nés en Russie, dans un zoo, à Saint-Pétersbourg. On les a récupérés déjà, ses parents, tout petits, ils avaient 5 mois, qu'on a élevés, qu'on a éduqués, qu'on fait du spectacle. Et on a eu la grande chance, donc l'hiver dernier, d'avoir la naissance de Kitchak. La reproduction est très difficile. Bon, dans des zoos où les animaux restent dans leur parc, qui ne bougent pas, la reproduction est facile. Mais là, nous, on voyage quasi tous les week-ends. L'hiver, on fait des tournées. Donc pour nous, c'était assez exceptionnel et on est vraiment fiers. Ça veut dire que les animaux se sentent bien, ils sont bien dans leur milieu, ils ne sont pas stressés. Parce que s'il y a le moindre stress dans les animaux sauvages, ils ne reproduisent pas. Donc pour nous, on est très très fiers de ce résultat. Dans le travail, on voit bien ses deux parents en fonction des jours, des humeurs. Sa mère travaille très très bien, qui est, on va dire, quelqu'un professionnel, mais qui n'est pas facile dans le caractère, qui est toujours à se plaindre, à grogner, à souffler, à ronchonner. Et elle, déjà, elle est comme ça. Ouais. Elle se plaint beaucoup. Ouais, c'est un peu une fille. Mais elle va être très pro dans le travail. On travaille beaucoup à l'affectif. Comme vous avez pu voir, on travaille beaucoup à la friandise. Donc il y a un contact physique avec et il faut à cet âge-là lui apprendre à nous respecter, à ne pas nous sauter dessus pour manger la sacoche de chamallow ou des choses comme ça. On travaille en musique et après on va y trouver une musique qui va lui plaire, si on peut dire, et qui lui sert de point de repère en même temps. Et c'est pas une question de stress, mais tous nos animaux, ils travaillent sur leur musique, ce qui fait que ça leur donne des points de repère. Et quand ils ont la musique, ils savent qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, ils peuvent nous faire confiance. Alors comme on voyage partout dans toute l'Europe, ils ont besoin d'avoir des points de repère. Nous, on est un point de repère, le matériel en est un, mais des fois, ça ne suffit pas. Parce que suivant où on va, il y a plein d'odeurs différentes, plein de choses. Donc la musique, pour eux, c'est aussi un bon point de repère. Travailler avec les animaux sauvages, ça m'a porté énormément dans la vie parce que ça apprend à ne pas franchir certaines limites et laisser le temps au temps de faire les choses et de prendre sur soi, de se remettre en question. Quand il y a une erreur, c'est soi, c'est pas les autres, c'est pas l'animal, c'est... Et de demander peu, de se contenter de peu et d'y aller tous les jours. Prochain spectacle de la Bodega les 6 et 7 août, les 10 et 11 septembre à Éric. Plus d'informations sur internet www.aitawak.com.